La Cour constitutionnelle, dans sa décision, elle-même a dit, pour certaines circonscriptions, les élections se sont bien passées, mais elle estimait que le taux, n'est-ce pas, était si bas qu'il était judicieux de reprendre toutes les élections législatives afin de garantir la paix et la cohésion sociale. Le problème de décalage des numéros des candidats, des photos des candidats qui se contredisent sur les bulletins, ce sont autant de problèmes que nous avons connus nous-mêmes, nous en avons déjà parlé aux législatives, qui ne se sont pas rencontrés dans le cadre des présidentielles. Évidemment, reprendre tout le scrutin législatif a un impact financier. Comme je l'ai dit, nous travaillons déjà pour l'évaluer. Toujours est-il que nous nous étions préparés à organiser un second tour et des partiels, je l'ai déjà annoncé. Nous allons juste réadapter notre organisation pour reprendre le premier tour des élections.